Étape 7, Belfort-Chalon-sur-Saône. C'est une belle étape au lendemain de la première grosse étape où les cadors vont s'expliquer. Ça va certainement se terminer à un sprint massif. On va traverser toute la Franche-Comté, notamment la vallée de la Loue avec un passage à Ornans, puis un passage également dans le vignoble du Jura à Arbois, avant d'arriver dans les plaines de Saône-et-Loire, où là, les trains des sprinteurs vont se mettre en place pour gentiment arriver au sprint.